Règlement du concours. Très important. Vous mettez votre billet, vous vérifiez bien qu'il correspond au numéro de votre bouteille. Vous allez écosser les haricots et les mettre dans la bouteille que l'on vient de vous donner. Attention, attention, pas de haricots impropres à la consommation. Tachetés ou noirs, pas de débris dans la bouteille. Que des bons haricots. S'il y a plus de 10 haricots impropres à la consommation, la bouteille pourra être éliminée. Vous attendez le top départ. Alors on vous avertira tout au long du concours, du temps qu'il vous reste. À l'arrêt du chrono, tout le monde arrête les mains sur la table. Là, nous ramasserons les bouteilles qui seront pesées par le jury. Et nous passerons à la deuxième manche. Tout le monde a son sac. Non, mais il y aura un deuxième groupe. Serge du four. Sandrine Dufour. Sandrine Dufour, numéro 27. Le concours international d'Écossais et du haricot de 60. J'ai dit mondial encore. Vous attendez le top départ. Tout le monde a son sac. Bon, je continue. À l'arrêt du chrono, tout le monde arrête et met les mains en l'air. Là, nous ramasserons les bouteilles qui seront pesées par le jury. Et nous pourrons peser et comparer par rapport au premier groupe pour déterminer les trois premiers. Attention! D'accord. Si jamais vous êtes votre sac de haricots est vide, il y a du stock. Attention, vous êtes prêts? Démarrez! Et c'est parti pour ce concours. 5 minutes. Et il faut battre 200... Pour mettre un maximum de haricots en très bon état, consommable, dans les bouteilles. Il faut battre combien? 270 grammes? 268. Du premier groupe? 268. Et voilà tous nos concurrents à faire avec énergie et détermination. Chaque concurrent a sa technique. Qu'ils sont bons. Les haricots. Qu'ils sont bons. Les haricots de Soissons. Il reste 3 minutes. Le 28 a sa technique aussi. C'est une technique qui peut être efficace. Allez. 27, la 27 avance pas mal. Allez. Allons les soissonner là. On vous entend pas. Soutenez vos concurrents. On accélère. Allez, on les applaudit. Elle est bien partie. Gagnante 2023. Et elle est partie là. Sur les chapeaux chauds, hein. Chouchou les marrons. Oh là là là, là, cette technique aussi. Elle est rapide. Lumière de Cuffy avec une technique de la bouteille couchée. Breveté. Ça coule mieux. Breveté. C'est... Voilà. On ne sait pas si ce sera efficace encore. 1 minute 30. Oh là là là. Ah oui. Et on les encourage. Nous approchons de la fin de ce cycle. Il a une technique vraiment particulière. Mais ça paye. Ils ont attention. Tom. C'est fini. On lève les mains. Bravo. 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 Non, faut fermer le bouchon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une prochaine épreuve pour les Jeux Olympiques? Voyez le succès. Ben écoutez, c'est sensationnel ce concours. Et là, on se rend compte que toutes ces personnes, tous ces concurrents ont une dextérité extraordinaire, une rapidité d'action, une motivation sensationnelle. Concours international des croissants du haricot de Soissons. 188.5. Moi,
suis pas le dernier. J'aime bien manger les haricots de toisson. J'adore. J'ai mangé mon haricot de toisson le jour où j'ai obtenu cette médaille. Le premier, ouais. C'est le numéro 4. Et tu digères bien, bien. C'est dur, mais ça vaut la peine. Mais ça peut le planter des haricots, manger des haricots. Il faut savoir quand même que le premier a mis 268,5. Ouais, bravo! Le numéro 2 a mis 233 grammes et le numéro 3, 232,5. Oh, les gars, c'est vrai, il a dû croquer un haricot. Hein. Qui sent bon, qui sent bon, qui sent bon? Les haricots de soisson. Un soisson. Venez chez vous. Comme ça, à fond, tous les jours. Tous les jours. Et vous venez ici le dernier week-end de septembre, et là, vous gagnez. Alors, ma voisine s'appelle Deviane, elle m'a dit, mais elle a fait 35 qu'elle avait jamais fait. S'il vous plaît, un peu de silence, merci. La 28, 185, 5. La 34. 223,5 pour la 34, je pense. Hein. Premier. Le soufflé. Pour le vin belge. Après, il y a 248,5 et numéro 24. Alors, ah oui, il y a 268. La deuxième tournée. Ah ben il passe deuxième. C'est un match. 250. Il passe 268 ici. La deuxième. Je ne peux pas les planter sur toi. Et 221, c'est Ségolène. Ségolène. C'est maman. C'est maman. Les gamins, ils ont dit maman. Fermé à Adrien Collant. COLLAND. Voilà. Le deuxième, c'est Le Poderne, on ne connaît pas son prénom. C'est Déborah. Déborah. Ah bah oui, attends, Le Poderne. Déborah. Et puis c'est Céline Marguerite. Eh ben tiens, vous venez me faire une petite signature. Barbier, c'est Barbier. Barbier, tu veux, donc Le premier, c'est Adrien Collant. Approchez de la table. De signer vos... C'est méchant. La dame a dit que c'était méchant. Bravo, Adrien. Oui, oui, on va remettre les prix. Merci. Attendez, on va vous remettre un... On va vous remettre les prix. Son premier diplôme. C'est volé. C'est moi. Mais alors, tu t'entraînes? Mais non, c'est la deuxième fois que j'en écosse. Oh, mais bah, non. C'est pas vrai. Non, les dépistonnés. Je voudrais Déborah Le Poder. Deuxième. C'est bon, deuxième. Troisième. Ah bah oui. Bah oui, vous êtes vraiment, on va vous donner le troisième. Alors le poste, c'est comment ton nom? Non, le poste. Ah bah c'est le poste. Et si on était dans notre... Non, j'ai fait 260. Ah oui, elle est deuxième. Moi, je suis troisième. Si on était dans notre... L'ensemble. La remise de l'eau. C'est pas mal. Comment on fait? Eh ben écoute, on va faire le marque de notre troisième. Il était quoi? Non, mais moi j'ai pas gagné ça, je suis désolée, hein. Bon, ouais, fallait pas le mettre sous cadre. Mais on est. Non, il faut les manger, hein. Vous allez, les premiers diplômes. Ma maman va être contente. Elle mange du haricot depuis qu'elle est toute petite, dans l'huron, dans le machin. Forcément, c'est... Alors pourquoi, David, il y a dopage? Dopage, regardez qui gagne. Certains disent qu'il y a dopage, vous êtes trop habitué au haricot de 60. J'en ai eu dans mon biberon dès la naissance. C'est pour ça, alors, c'est un avantage. C'est dans les gènes.
Donc il y en a qui disent qu'il y a dopage, mais en réalité c'est la nourriture. Non, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Serge, maire de Cuffy, il avait la technique de la bouteille. Bouteille couchée, mais ouais. Bon, c'est peut-être pas probant. Le problème, c'est l'écossage. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une prochaine épreuve pour les Jeux Olympiques? Voyez le succès. Écoutez, c'est sensationnel ce concours. Et là, on se rend compte que toutes ces personnes, tous ces concurrents ont une dextérité extraordinaire, une rapidité d'action, une motivation sensationnelle. Concours international des Coissons du Haricot de Soissons. Les haricots de Soissons. Qu'ils sont bons. Les haricots. Qu'ils sont bons. Merci beaucoup, Soissons.